à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour un nouveau haul de chez Action et Nose. Voilà, j'y suis allée aujourd'hui, là j'en reviens. Je me suis dit je vais filmer, j'ai trouvé plein de petites choses là pour une fois. Donc j'étais contente. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà à Nose, je me suis trouvé des collants. Donc ça y est, j'avoue, je regardais plus trop les collants, mais ce week-end j'en ai mis un qui venait de chez Nose, qui était super confortable et tout, et je le paye pas cher. Donc là du coup j'ai pris celui-là. Voilà, un noir avec des petits points dessus à 1,99€ à la base. Il coûte 19,90€. Il n'y avait qu'une taille M, mais bon, je me suis dit, je pense que ça va aller. Après, j'ai pris un. Bah, il a l'air noir aussi, hein, je ne sais pas trop, mais voilà, j'ai pris un tout simple comme ceci. Pas 1,50€ et j'ai pris un autre comme ça. Voilà. Pour 1,50€ aussi. Parce que bon, les collants, j'avoue que ça fait pas long feu. J'avoue, moi, mettre 10€ dans un collant, voilà, je sais pas. C'est vrai qu'en ce moment, j'hésite à m'inscrire à la Gambette Box. Je pense que je vais le faire. Bon, vous avez deux collants pour 15€, je crois. La box, c'est ça, 15 ou 19. Bon, on va voir. Je vais voir. Je me tâte. Après, j'ai vu ce petit... Là, mon Nose, ils ont mis des nouvelles étagères. Ils ont fait ça un peu plus, un peu mieux. J'avoue que là, c'était un peu mieux et tout. Ça fait plus... Voilà. Donc j'ai trouvé ce petit sac là, donc comme ceci avec la lanière, les petits pompons, couleur un peu camel jaune, moutarde plutôt. Voilà, tout simple, hein. Il est tout simple, mais je l'ai trouvé sympa. Voilà, je l'ai trouvé sympa. Il coûtait 6,99€. Bon, il est peut-être un peu cher quand même pour nous, je trouve, mais bon. Je me suis dit, je le prends quand même. Après, j'ai pris une petite pochette comme ceci, ouais, Tsum Tsum, voilà. Disney, hein. Donc je l'ai payé 1,99€. Elle est toute simple, elle est mignonne, j'ai trouvé mignonne, donc voilà. Mon loulou, il adore les tortues ninja, donc il a vu cette pochette là, tortue ninja, donc voilà, c'est une petite trousse pochette comme je l'ai payé 1,99€ aussi. Elle est toute simple à l'intérieur, hein. Mais bon, c'est vrai qu'elle est jolie, elle est de très bonne qualité, ça, franchement. Et puis elle est très grande parce que quand on ouvre en grand, vous voyez, elle est quand même assez large, hein. Donc ça, c'est top. Après, je suis contente parce que du coup, j'ai retrouvé des masques de la marque Macadamia. Donc moi, j'adore cette marque-là. Donc du coup, il n'y avait pas le shampoing, mais il y avait les masques à 1,99€. Donc du coup, j'en ai repris deux. Donc ça, c'est vrai que c'est... Dès que j'en vois maintenant, j'en reprends parce que... En plus, j'en ai quasi plus, je crois, de ceux-là. Donc du coup, je refais du stock. Après, mon loulou, il a vu cette petite peluche. Voilà, il l'a trouvée trop mignonne. Il l'a prise. C'est Harry Potter, je crois. Moi, je connais pas. Je suis pas fan d'Harry Potter. Elle était, je crois, dans les 5,99€, il me semble. Après, il y avait franchement plein de trucs. Pour une fois, j'avoue, il y avait trop de trucs. J'ai pris un. J'espère qu'il va m'aller parce qu'il n'y avait pas plus petit. Mais bon, quand j'ai mis au devant, ça avait l'air d'aller. Ce débardeur-là. Regardez-moi ça. Avec Groot. C'est trop rare, en plus, avec Groot. C'est une taille L. Donc j'espère qu'il va pas trop bailler ou quoi, ou sinon je mettrai un débardeur en dessous, c'est pas grave, tant pis. Mais je pouvais pas le laisser, quoi. C'était impossible. 4,50€ en plus. Franchement, il y avait trop de t-shirts Disney, Marvel. Mais pareil, bah, il y avait que du M, du L, du XL. Il y avait beaucoup pour hommes pour une fois. Marvel, il y en avait un Spider-Man, il était trop beau, mais c'était XXL. Et mon mari met que du L ou du XL, donc c'était trop grand. J'avoue que bon, lui, il est pas trop à mettre des trucs Disney. Après, j'ai pris un autre couleur chair. Un autre collant couleur chair. Donc, c'est... Oh, j'ai du mal à parler, moi. Un transparent, quoi, couleur chair. Oh, je suis fatiguée. 1,50€. Oh là là, j'ai du mal, hein. Après, j'ai trouvé... Je me suis tâtée à l'air posé, mais après j'ai dit non. En fait, c'est vrai, j'en voulais des couleurs camel comme ceci. Donc voilà. Et j'en avais vu à Kiabi. Elle coûtait 24€. Donc là, bon, je ne les ai pas essayées. J'espère que ça va aller. Et en fait, là, elle coûtait 9,99€. Donc comment vous dire que bon, bah voilà, j'ai pas hésité, quoi. Donc du coup, j'ai hésité à les poser, mais après, je me suis dit non, ça vaut le coup quand même. Elles sont pas très chères. Donc je les ai prises. Après, mon loulou, quand il est avec moi, il me fait dépenser. Hein.
Et maman, elle sait pas dire non. Donc, il m'a fait prendre des petits chaussons comme ceci. Bon, j'avoue qu'ils sont trop mignons, des petits pandas, je pense. 4,99 €. Bon, c'est qui tient chaud et tout. Donc, voilà. Bon, j'avoue qu'ils sont jamais en chaussons. Jamais en chaussettes. Parce qu'ils aiment pas. Mais bon, on verra. Il m'a fait aussi prendre un DVD Spider-Man, New Generation. Donc, c'est un dessin animé. Voilà. Bon, j'avoue, pour le prix d'€1,99 €, c'est pas très cher. Après, je sais pas, je pouvais pas ouvrir, mais bon, ça avait l'air pas mal. Des pastels à l'huile. Donc, on a 4 métal et 4 néons. Donc, je me suis dit, ça pour le coloriage, ça peut être pas mal. 1,50 €. Donc, je dis, bon, je vais les prendre quand même. Et après, j'ai trouvé, franchement, j'étais trop contente. Alors, j'ai trouvé des petites choses comme ceci. Je me suis dit, c'est quoi? Je me suis dit, c'est un petit cahier. J'ai ouvert, mais non! Ce n'est pas un cahier. C'est des petites palettes. Gorgeous. Donc vous savez que moi j'aime trop les gorgeous. Donc elles sont comme ceci. Elles sont trop mignonnes avec un petit miroir. Franchement, celle-ci a coûté 1,99 €. Donc franchement, voilà. Et il y avait une petite bleue. Donc pareil, 1,99 €. Et en fait, là, c'est dans les teintes bleues. Elles sont trop cute. Elles sont pas trop cute, mais elles sont trop mignonnes. Donc du coup, j'étais trop contente de tomber là-dessus. Et après, j'ai trouvé ça. Bon, par contre, je ne pouvais pas ouvrir. Voilà. Je me suis dit, c'est quoi? Et en fait, je regarde derrière. Derrière, il y a une petite image. Je pense que c'est des blushs. Du coup, je vais en ouvrir un. J'ai dit, mais non! Du maquillage gorgeous, quoi. Donc voilà, j'étais trop mais contente. Pour une fois que je trouve plein de trucs. Et ouais, c'est ça. C'est un blush. Bon, celui-là, il a l'air de bien péter par contre. Hein. Vous voyez, et vous. Mais j'ai dit, mais non, j'étais obligée de les prendre. C'est pas possible. Donc voilà. Et vous avez une petite. Moi, ça, je m'en sers pas, mais. Mais j'ai dit, c'est trop bien. Ah, je viens de casser le blush en plus en mettant le truc. Voilà, donc vous aviez celui-là. Avec celle-là. J'en ai trois, je crois. On a celui-ci avec les deux, j'adore. Celui-là, il a l'air, je pense, beaucoup moins. En plus, il y a écrit blush. Ouais, je sais pas lire moi. Donc voilà. Et on a un autre, je pense, qui est aussi bien foncé avec celle-ci. Mais j'avoue, moi, j'adore les gorgeous, mais c'est vrai que c'est pas donné les trucs en général. Et là, les blushs font 1,19 €. Pareil, il y avait encore plein de sacs et tout, mais c'est cher quand même. Ça reste cher, même si c'est nose. Et en plus, ce matin, j'ai vu mon amie Valérie et qui m'a parlé qu'elle avait vu une palette Gorgeous sur Vinted. Et c'était celle-ci. J'ai dit, mais non, il faut une palette Gorgeous et tout. Celle-ci, elle est trop bidonne. 2,99 €, elle s'ouvre comme ceci. Donc, comme ceci. Voilà, elle est trop cute. Elle est trop belle. J'adore. Comme l'a fait montrer déjà, j'aimais beaucoup une un petit carte comme ça. Trop mignon. Ouais, j'aime trop. Voilà, vous l'aurez compris, j'aime trop. Non, en fait, là, il y en a deux, en fait. Trop mignon. Bref. C'est trop mignon. Donc voilà. Donc du coup, je l'ai prise. J'étais trop contente. Et il y en avait un autre. Une autre. J'ai dit, mais c'est pas possible aujourd'hui. C'est 2,99 €. Je me suis ruinée aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. 2,99 € aussi. Et regardez, elle se présente comme celle-ci. Déjà, le miroir, il est trop beau. Là, l'effet avec les petits papillons, c'est trop mignon. Là, c'est plus. Il y a beaucoup plus de blush et tout. Et des palettes. Et des fards à paupières. Mais trop mignon. Je pouvais pas les laisser. Bah non. Donc voilà. Voilà. Donc, pour nos jeux. Non. Il y avait aussi un autre gorgeous. Bon, il coûtait 4,99 €. Je me suis dit, ça va, c'est pas très cher. Pareil, j'étais obligée de le prendre. Voilà quoi. Voilà. En plus, elle, j'adore elle. Des pinceaux. Il y avait qu'une belle trou. Je pense qu'elle est grosse parce qu'elle fait la forme de la boîte. Donc, je ne vais pas l'ouvrir pour l'instant. Mais franchement, il y a 3, 4, 5 pinceaux. Et en fait, c'est ce que vous achetez à Action aussi. Donc, je me suis dit, allez, je le prends. J'avoue, je me suis quand même bien ruinée. Et après, on est quand même passé à. Au début, je me suis dit, non, je ne vais pas passer à Action.
Après, j'ai dit, si, il nous fallait des pop-corns. Ouais, vous allez voir que bah on n'a pas pris que des pop-corns, quoi. Donc bah déjà, on a repris des pop-corns. Parce que ça, on adore. Nous, on adore sucre, pas salé. Donc voilà, on a repris des pop-corns. Par contre, j'ai repris des essuie-tout aussi, parce que j'en avais plus. Donc bon, ça voilà. Après, on a pris quoi? Après, j'ai pris aussi des pop-corns au chocolat. Ils sont bons, ceux-là, on les a déjà testés, ils sont bons. Après, j'ai pris ça parce que c'est vrai que j'avais pas de bol pour mettre les choses apéritifs et tout ça. J'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Parce qu'à chaque fois, j'ai rien et du coup, voilà, je me suis dit, c'est pas mal pour mettre les trucs apéro. Après, bon, j'ai pris quand même des choses utiles. J'ai repris des sacs poubelles parce qu'on arrive nous à la fin. Et en plus, ceux que j'avais pris, ils étaient trop petits. J'ai repris des bougies parce que c'est pareil, j'en ai plus. Donc, j'ai pris à la rose. J'ai pris celle-ci à la lavande. Et mon fils, il m'a encore là. Ils ont mis un garage aux Twix. Et ils ont mis des voitures parce qu'il avait eu un gros garage pour Noël et j'étais allée à l'action, j'avais pas vu de voiture aux Twix et là ils en ont mis plein. En plus c'est bientôt son anniversaire donc je pense que je vais aller acheter le garage. bref, et du coup il m'a fait quand même acheter deux voitures. J'avoue qu'elles sont trop mignonnes. Donc voilà, parce qu'il a déjà un gros garage aux Twix. Et en fait dans ces garages-là, il n'y a que les... Parce que c'est une voiture qui est... C'est un garage où la voiture roule tout seul, quoi, on va dire. Et du coup, c'est que les voitures aux Twix qui vont dedans parce que les autres, elles sont trop lourdes. Voilà, les petites histoires. Donc, encore un autre paquet de popcorn. On adore ça. Après, bah, je pouvais pas aller à Action sans en racheter parce qu'ici, ça part comme des petits pains. Je vous avais dit qu'on adore ça et franchement, ils sont trop bons. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour cela. Mais mes loulous et mon mari, ils ont une préférence pour cela. Donc, bah, j'en ai repris trois seulement parce que... Avec eux, en 5 minutes, il n'y en a plus. Hein. Après, j'ai repris une bougie comme ceci, la Glade. Elles sentent bon, celle-ci, j'aime beaucoup. Mon loulou, il m'a fait acheter ça, voilà pourquoi j'aime pas y aller avec lui. Donc, c'est des trucs qu'on gratte. Donc, voilà, bon, après, il aime bien les choses créatives. Donc, ça, ça me dérange pas de lui acheter. Après, j'ai eu avec lui, il adore les boules de bain, il est comme moi. C'est souvent lui qui en prend aussi dans son bain. Et je lui avais dit, oui, à Action, ils font un truc pour créer les boules de bain. Et bah là, on est tombé dessus, donc on l'a pris. Bon, il est à 8,95€, je crois. Voilà, donc on a pris pour créer les boules de bain. Donc je suis trop contente. Et ils font un truc aussi pour les tie-and-dye, ça, je crois. Pour les t-shirts et tout ça. Donc je sais pas, j'hésite à le prendre. Donc je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais on va tester ça du coup. Du coup voilà. On aime tout ce qui est création. On adore. Donc voilà. Là j'ai pris un rouge à lèvres comme ceci de chez Action. Je ne les avais pas pris. Celui-là c'est du nouveau. Donc je vais tester. Je verrai bien si j'en prendrai d'autres ou pas. J'ai repris des masques. Donc j'ai repris ceux-là. Ceux-là, ils sont pas. Ils les avaient mis, ils les avaient renlevés. Je ne les voyais plus. Et ceux-là, ils sont trop bien. Je les aime trop. J'aime trop les motifs. Et j'ai pris aussi celui-là. Voilà, et j'ai repris le petit panda. Donc voilà. Et du coup, c'est tout. Vous voyez, j'y allais juste pour des pop-corn. Comment vous dire? En plus, quand je suis arrivée, c'est où il y avait plein de monde. C'est pareil, à Noz, il y avait plein de monde. Là, ils leur disaient, oui, il faut reprendre des caddies. Voilà, ils ont eu des mesures. Voilà, donc les gens, ils comprennent pas qu'il faut prendre un caddie. Non, mais ça fait un an que le corona, il est là. Et j'ai l'impression que les gens, ils ont toujours pas compris, en fait. C'est un truc de fou, ça me rend fou. Et la distance... ils ont pas compris ça, je crois, ils ont jamais compris, je crois. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà mes achats de chez Noz et Action. Franchement, Noz, ça faisait longtemps où j'avais pas trouvé autant de choses. Et j'avoue que la facture était salée, mais ça faisait très très longtemps. Hein. J'avoue que ça faisait longtemps que j'y avais pas été aussi. Ça faisait au moins... un mois, trois semaines, un mois, bien que j'y avais pas été, mais bon, j'ai trouvé plein de trucs, donc du coup je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. J'avoue qu'en ce moment je suis très en retard dans les commentaires, je m'en excuse beaucoup. Je n'ai pas le temps de regarder les vidéos aussi, je m'en excuse, mais je cours après le temps. J'avoue que
Je sais pas, là j'ai l'impression qu'on a mis lecture avancée pour le temps. Donc voilà. Donc je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye bye.